Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Thérèse Boisé. Je suis la voix de Sans Voix. Alors, je vous ai dit, chaque fois que je vais entendre le nom de quelqu'un, j'irai là-bas pour vous. J'irai aux nouvelles. Et puis, vous aussi, je vous donnerai des nouvelles. Nous sommes avec M. Ouattara Ahmed. Aujourd'hui, tu dis qu'on va parler de quoi? De la sorcellerie. De la sorcellerie. Retour à l'envoyeur. La sorcellerie et retour à l'envoyeur. Toi qui penses que tu es dans le noir, tu fais le mal. Tu t'en fous, et bête désormais, ta solution est tout près de moi ici. Ta solution, c'est Ouattara Ahmed. Bonjour, maman Bazé. Aujourd'hui, on parle de la sorcellerie et le retour à l'envoyeur. Parce que aujourd'hui, de nos jours, quand les gens avancent, il y a les gens qui sont là, ça leur fait mal. Ils s'en vont chercher leurs fétiches, leurs balbois pour venir faire du mal aux gens. Balbois que je parle là, c'est un cadenas. Parce que si on te lance, si tu as trop duré, c'est au moins 5 minutes, tu es parti. Tu es parti. Donc, j'ai la solution pour ça. Nos frères et sœurs qui ont des problèmes de la sorcellerie. Il y a les gens qui sont malades. On les envoie à l'hôpital. On passe radio. Rien. On ne voit pas ce qui s'est passé. Monsieur Ouattara Ahmed a la solution. Aujourd'hui, il y a les maladies, on dit AVC, tension, diabète. Souvent, ce n'est pas simple. Et Monsieur Ouattara Ahmed a la solution pour ça. À la solution pour ça. Dès que tu m'appelles, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, et si tu es en Europe, tu es en Côte d'Ivoire, tu peux te déplacer pour venir voir M. Ouattara. Mais dès que tu arrives, je consulte. Si tu n'es pas consulté aussi, tu me dis, M. Ouattara, j'ai telle maladie. Moi, je regarde, je ne te dis rien. Et je sais quelle solution je vais faire pour que tu puisses t'en sortir. Il y a les gens qui ne peuvent même pas marcher sur leurs pieds. On les envoie ici. Je les aide. Je les aide. Mais moi, c'est tous les jours, j'ai dit, quand ça a dû trop, 8 ans, 9 ans, je ne peux pas. Mais à partir de 5 ans seulement, même si tu as le diabète, tu es paralysé, au moins 5 ans, je vais te faire lever. Monsieur Ouattara Ahmed a sa solution. A la solution pour ça, rapidement. Donc, on va dire voilà. Donc, tu es sûr que quelqu'un qui a été malade pendant 5 ans, tu peux le guérir? Sans problème. Sans problème. Je regarde. Il y a les maladies, même quand les gens voient. Dès que je consulte, l'argent est bon, mais l'homme est plus beau que l'argent. Je regarde. Si je ne peux pas, je dis ça, je ne peux pas. Si je peux aussi, dès que je consulte, je vous dis, on va prendre cette route. Quand prêter cette voie-là pour que je puisse faire lever la personne. Bon, souvent, on dit que, bon, voilà. Les gens qui jettent, il y a des gens qui jettent la maladie sur toi. Et puis les gens pensent que c'est cette maladie-là, que c'est cette maladie d'hôpital. Oh, c'est pas ça. Ils ont jeté sur toi. Oui, maladie-là, quand on jette sur toi, M. Ouattara, mais ça, il dit toujours, là, il y a la solution. Aujourd'hui, même, il y a les femmes, il y a les jeunes filles qui sont là. Elles ne font pas d'enfants. Souvent, ils ont mis quelque chose, caillou, dans son ventre. Elle va faire radio, on ne va pas voir. Elle va tout faire, les échos, tout dépenser des millions. Quand les jeunes filles, souvent, les menstrues ne viennent pas. Tout ça, ce n'est pas simple. Il y a les garçons aussi, souvent, aussi, on accuse les femmes. Souvent, il y a les garçons aussi qui sont malades. Leur sperme n'est pas bon. Souvent, sorcellerie même là, les gens prennent ça. Parce que s'il fait enfant, il va s'occuper de ses enfants, ils ne vont plus s'occuper de leur famille. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Parce que je vois ça. Je vois ça. Donc, j'aide les gens, ceux qui ne font pas enfant, dans leur foyer, qui ne font pas d'enfants. Donc, quand je vais nous contacter M. Ouattara Ahmed, et j'ai la solution pour ça. M. Ouattara Ahmed à Yopougon Niangon à gauche, au dépôt, ou bien pharmacie Lotus. Dès que vous arrivez, vous appelez. Mon numéro WhatsApp, c'est le 225-07-07-65-46-20. 07-07-65-46-20 et le 07-57-51-87-98. 07 57 51 87 98 et j'ai le 01 40 38 32 00. Dès que vous allez vous appeler, on vient vous chercher. Et j'ai mon médicament, le canari aussi est là. Le retour à l'envoyeur. Parce que comme on n'a pas assez de temps, lui qui a pris le numéro m'appelle, je veux bien l'expliquer. Le retour à l'envoyeur, même si tu n'es pas ici, je peux préparer, on peut t'expédier. Tu n'as pas tout en fait dans le canari. Tous ceux qui sont de l'autre côté, ils savent comment j'ai fait. Tu laves ça, la personne qui est en train de te tuer. Tu vas le voir.
Et il y a une manière aussi de faire. J'ai fait, il lave le médicament. Lui-même aussi qui veut te tuer, ça va sortir dans sa bouche. Pour dire que c'est moi qui voulais faire ça à M. Konan. C'est moi qui voulais faire ça à M. Olo. Mais c'est intéressant ça. C'est lui-même, il vient et dit c'est moi. Donc, ça sort dans ta bouche. Tu vas demander pardon. Dès que tu ne demandes pas pardon, toi-même, tu verras ton sort. M. Okay. Ouattara Mede est là pour ça. Vraiment, monsieur. Ça, on appelle le retour à l'envoyeur. Voilà. Moi, je préfère le retour à l'envoyeur parce que les gens souffrent. Toi, tu le fais souffrir depuis des années. Mais si il se lave avec son médicament, il n'a pas dit ton nom. Il n'a pas dit ton nom. Il a dit, je fais retour à l'envoyeur de à celui qui m'a fait ça. Là, c'est ton problème maintenant. Ce qui arrive là-bas, c'est ton problème. C'est comme ton ça. Problème. Moi, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais dès que tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te fait radio, on ne voit rien. Tu es paralysé, tu as fait quoi? Tout, scanner, tout, tu ne vois rien. Viens voir M. Ouattara. Mais même si tu es en Europe, tu as fait, je ne prépare mon médicament. Je ne prépare mon médicament, je vais t'expédier. Il faut laver ça. Tu laves la personne qui a fait ça, le retour à l'envoyer. Lui-même, ça va sortir dans sa bouche. Au pays ici, ils vont t'appeler pour vous dire ça. Et je suis là pour ça. Il y a des secrets pour ça. Il y a des secrets. Ce n'est pas tout, on peut dire à l'antenne. Il y a des secrets pour ça. Dès que aussi tu appelles M. Ouattara Mede, si tu n'es pas ici, que tu es à l'intérieur du pays, tu envoies ton nom et prénom, plus ta photo à date de naissance. Je vous consulte. S'il y a des sacrifices à faire, je vous dis, on fait les sacrifices et on fait le travail. Il y a les garçons aussi. Souvent, ils sont malades au lit. Au lit. Faut dire, son chat n'attrape pas son voilà. Lit. Voilà. Tu es malade au lit. Tu ne peux pas faire quelque chose. Monsieur Ouattara Mede est là pour la solution. Il y a les garçons qui peuvent monter sur femme jusqu'à demain matin. L'eau même ne peut pas venir. Je suis là pour ça. Il y a la solution pour ça. Il y a la solution pour ça. Même si tu ne peux pas faire un même là, si je fais mon médicament, tu as fait trois. Monsieur Ouattara Mede est là. Elle est là pour la solution. Non, non, ça là, dans le foyer, dans foyer, quand il n'y a pas ça, ce n'est pas bon. Ton foyer n'est pas stable. Il faut ça pour que le foyer soit bien stable. Voilà. Donc, M. Ouattara Mede est là pour tout ça. Tous ceux qui sont malades, donc venez voir M. Ouattara Mede. Ok. Tu es malade, tu te soignes depuis longtemps. Tu n'arrives pas à guérir. M. Ouattara est là. La maladie, on ne trouve pas. Même matin, on dirait qu'on t'a frappé jusqu'à... On dirait que la nuit, ils t'ont pris pour faire cheval. C'est comme ça. Viens voir M. Ouattara. C'est comme ça. M. Ouattara, votre dernier mot. Mon dernier mot, il ne faut pas les gens vont se décourager. Sur moi, c'est M. Ouattara Mede Terminus. Terminus. M. Ouattara Mede Terminus. Tous ceux qui ont des problèmes, c'est ça que j'ai dit, le problème de foyer, tu es malade, tu n'es pas faux au lit, ta chance est bloquée. Parce que la saucinerie qui est là, ce n'est pas bon. La saucinerie bloque la chance. Si on voit tes étoiles, on peut bloquer. Et puis tu ne peux rien faire. Tout. Yeah. Même on va t'appeler à travailler là-bas. Oh. Même. On va te dire de venir à midi. Au moins tu vas te réveiller. Il est midi. Des fois même et tu passes, on dit tu sens. Tout ça là. Tu es ça. Tes étoiles ne brillent pas. Moi je suis là pour faire briller les étoiles des gens. La saucinerie, le retour à l'envoyeur. Tous ceux qui ont des problèmes de saucinerie, M. Ouattara Mede est là pour la solution. Tu es malade, tu es paralysé, diabète, tension, tout. Je suis là. M. Ouattara Mede est là pour ça. Et M. Ouattara Mede est à Niangon Sud, à gauche, terminus 27, pharmacie Lotus ou le grand dépôt de boissons. Et mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 07 07 65 46 20. 07 07 65 46 20. Et j'ai le 07 57 51 87 98. Et j'ai le 01 40 38 32 00. Dès que vous appelez, Monsieur Ouattara Mede, ils vont venir vous chercher pour venir dans le cabinet de Monsieur Ouattara Mede. Et tous ceux qui sont en Europe aussi, s'ils ont des problèmes de foyer, ton agent bloqué, tout ce qui est bloqué, papier bloqué, ton agent bloqué quelque part, quelqu'un même te doit, ta chance est bloquée, le retour à l'envoyeur, la saucinerie, je combats ça pour que tu sois propre, pour que tes activités marchent. Pour pas les gens vont se décourager, Monsieur Terminus Ouattara Mede. Bien, voilà, il a tout dit. On est à la prochaine. Voilà, que Dieu veille sur nous. C'était Thérèse Boisé, la voix de 100 voix.